Mesdames, messieurs, prenez place, s'il vous plaît. On va aller 2 minutes encore et commencer cette présentation de concours de modèles en débutant par les mâles en 12,5. Bon, il commence à pleuvoir, on va démarrer. Bonjour, bonjour et bienvenue en direct ici à Tarbes, dans la cour du Haras National de Tarbes et sur France Cire TV anglocourse.com, ici à côté de Jean-Paul Delperrier, dit Jean-Paul Delcoca, l'ami des Kilia, pour suivre en direct dans ce grand concours élite et non élite pour la première année cette année. On vous en donnera plus d'explications au fur et à mesure. 48 chevaux environ qui sont présents. Quel est le programme, Jean-Paul? Un programme, bonjour Arnaud, bonjour à vous tous, très intéressant. Avec le, dans quelques instants, les mâles âgés de 2 ans, 12,5%. On enchaînera avec les 37,5 et ensuite nous passerons aux femelles qui seront présentées et on terminera par les 37,5 et plus, bien sûr, cette présentation du concours de modèles. Effectivement, pourquoi des pourcentages? Car vous le savez peut-être, en tout cas on va vous le réexpliquer, il y a des différences de pourcentage dans l'anglo-arabe, c'est tout à fait constitutif de la race et avec des courses réservées pour des 12,5, des 25, des 37, des 50, on vous expliquera ça au fur et à mesure, tandis que nous ne sommes pas en sucre, ça tombe bien. Mais on va demander au premier cheval, Agom de la Brunie, de se présenter. Présenté par le grand Jacques, Jacques Crousillac, Agom de la Brunie, un fils de gnome. Allez, voici le numéro 1, donc Agom de la Brunie. Gnome et Naya de la Brunie par Satinwood. Jacques Crousillac qui nous présente. Magnifique mâle alezan. Naya de la Brunie, la maman a notamment produit Vénus de la Brunie et Agom de la Brunie, c'est donc son deuxième produit. Malheureusement sous la pluie. Le premier numéro présenté, Agom de la Brunie, né en 2010. Alors c'est un fils de gnome, un gnome qui vous, avait été présenté, qui vous a été présenté ce matin lors de la présentation des étalons. Gnome, une référence dans l'anglo-arabie, un fils de Iris Noir qui lui est un pur sang de l'élevage du baron Guy de Rothschild qui a beaucoup marqué l'anglo-arabie. Iris Noir, un pur sang qui a remarquablement croisé. Donc gnome, étalon extrêmement confirmé. C'est notamment le père de Ragtime Pontadour de l'élevage de François et Marie Maillot. Donc... à côté de la région tarbaise, les Pontadour. Ragtime Pontadour, qui est d'ailleurs le rocodeur de l'anglo-arabie en 2012, puisqu'il a saillé plus de 40 juments au Haras de l'Abbaye pour sa deuxième saison de monte, ex-champion Ragtime Pontadour du plat. Donc c'est un fils de gnome, gnome qui a également produit l'étincelle d'or, par exemple. Beautyland. Beautyland, c'est de l'élevage coapé. C'est donc l'élevage de la Brunie. Agom de la Brunie est un neveu de Iris de la Brunie, étalon. Étalon qui est revenu bien en fait près de son lieu de naissance, puisque Jacques Crousillac élève à Trocht, juste à côté de, de Pompadour. Et Iris de la Brunie fait la monte à la jumenterie de la Rivière, donc ce qui fut avant la jumenterie nationale de Pompadour. Donc c'est la souche de base de l'élevage Crousillac avec Tite Bruni, Woody de la Bruni, Noël de la Bruni et tant d'autres.
Merci Jacques. Pendant ce temps-là, on va vous présenter les juges si vous ne les connaissez pas. Trois juges aujourd'hui. Donc à gauche, Yann Poirier, le Hara Duchesne, président de l'association des AQPS de l'Ouest, président aussi de l'association des débroueurs pré-entraîneurs de France. Donc là, c'est l'Ouest de la France qui est représenté. Et sous le chapeau, c'est Georges Richardot, le président de Saône-et-Loire-Gallo, donc l'Ouest de la France et le centre des gens du pur sang et de l'AQPS. Et au milieu, personnage dont on va vous parler tout à l'heure puisqu'ils sont en pleine délibération. Nous allons maintenant accueillir Aldo de Larrédia, présenté par Madame Chantal Laval. Aldo de Larrédia est un fils de nombreux premiers et monopales pour Mangarose. Monopale a notamment terminé deuxième en 2008 du Grand National à 37,5 sur l'hippodrome de Toulouse. Également placé, même épreuve, le Grand Prix des Pouliches. Troisième en octobre 2008. Aldo de Larrédia. Sa grand-mère Longue Track a notamment produit Val de Roche, Cricket de Roche entre autres. Né en 2010, Aldo de Larrédia, classé déjà élite. Par nombreux premiers. Donc présentation actuellement à l'arrêt d'Aldo de Larrédia. Nombre premier et monopale. Monopale qui est né par Mangarose et Longue Track. Présenté actuellement pour ceux qui viennent d'arriver, donc ce numéro 2, Aldo de Larrédia, les sœurs Madame Chantal Laval, un fils de nombre premier et monopale.
Merci. Nous allons maintenant accueillir, il ne va pas tarder à arriver, le numéro 3, Al-Sheba 3. Les sœurs, madame Gisèle Juteau. Al-Sheba 3, né de chef de clan et Happy Days par épervier bleu. Chef de clan et notamment le père de Kantara 3, on a vu briller à de nombreuses reprises. Également le père de Clandelia 3. Happy Days, la maman, a notamment produit Iliad 3, qui avait terminé 3e à Longchamp du Grand Prix des Anglo-Arabes, également sur l'hippodrome de la Teste, une performance au mois de juin de l'année 2008. Al-Sheba 3, magnifique mâle B. Le père à chef de clan est un fils de Cyborg. Donc ce numéro 3. Donc ce numéro 3, Al-Sheba 3 est élite. Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons un mélange de élite et non élite. Élite, donc ça signifie que. Je continue bien sûr à noter ce numéro 3. Actuellement, donc, présentation de ce poulain. Chef de clan et Happy Days. Au niveau des origines, on vous rappelle. Merci à ce numéro 3 donc. Allez, nous allons maintenant accueillir le numéro 4,
Enchaînement. Alpha Risk. Alpha Risk est gris. Les sœurs, monsieur Vincent Corp de Foissac. Alpha Risk est un fils de Grey Risk et Omega de Foissac par Fast. Ce poulain est notamment le frère de Océan du Cocher. Omega de Foissac, la maman, et la mère de Usago et d'Alpha Risk, entre autres. Alors, quelques détails à vous donner supplémentaires à propos de Grey Risk, hein, qui ne sont pas inscrits au catalogue. Bien sûr, Grey Risk, c'est le père de Thousand Stars. Thousand Stars, qui est l'un des meilleurs, sinon le meilleur cheval en Europe sur les haies. J'ai bien dit en Europe sur les haies, puisque ce cheval Thousand Stars est entraîné par Willy Mullins en Irlande et il a gagné pour la deuxième fois la grande course de haies d'Auteuil. Donc, c'est un véritable champion en se promenant, effectivement, Jean-Paul, tout à fait, Grey Risk. Elle perd de Thousand Stars, le phénomène Thousand Stars gagnant en Auteuil de la grande course de haies. Grey Risk est un fils de Kendor. D'ailleurs, on retrouve pas mal de Kendor dans le physique de cet Alpha Risk, qui est son petit-fils. On retrouve pas mal de Kendor, donc Kendor, grand étalon, très très marquant dans l'élevage français. Kendor, que ce soit en tant que père, désormais en tant que père de père, hein, et c'est le père de Literato notamment, en tant que père de mère, c'est le père de mère de Tinors. Et donc, Grey Risk a été acheté judicieusement par un groupement d'éleveurs du Cantal il y a de ça 3 ans, et il fait la monte à Aurillac, dans le site du Haras National d'Aurillac, mais appartenant bel et bien un groupement d'éleveurs dont quelques membres sont ici, Paul Coudert notamment. Un groupement d'éleveurs qui est géré par Sébastien Constant. Voilà, ce cheval nous est présenté donc par un éleveur du, pas du Cantal, mais de l'Aveyron, il ne faut surtout pas confondre, département 12, Vincent Corp. Et nous allons maintenant accueillir le numéro suivant, le 5 Amigo du Pouet. Amigo du Pouet qui est B foncé, qui est né chez Éric Pouet dans le 65, à Cabanac pour être plus précis. Le père Marlino Mago, la maman Dame Rouge, est une fille de deux de cœur. C'est le frère de Belle José. Alors Merlino Mago, le papa, est entre autres le père de Belle José. La mère Dame Rouge a notamment produit Amigo Dupouet que vous voyez actuellement, Cupidon Dupouet et Viking Dupouet également. Que
Éric Pouet qui nous présente cet Amigo du Pouet qui fait du débourrage par entraînement dans la région. Et donc qui abrite comme étalon Merlino Mago. Merlino Mago qui a commencé sa carrière dans le nord-ouest de la France. Et il a fait une saison ou deux dans le Maine-et-Loire. C'est là qu'il avait produit donc cette belle jument, cette bonne jument Belle José. Très très bonne jument d'obstacle à 3 et 4 ans chez Cyriac Diard. Et donc nous voici avec un Amigo du Pouet qui a un pourcentage d'anglo-arabe de 13,84, donc il est juste au-dessus de la limite des 12,5. En dessous des 12,5, il serait à QPS. Donc il y a un grand débat qui fait rage actuellement sur le site anglocourse.com sur les poids attribués, ou les suppléments de poids en tout cas, les pénalités attribuées, distribuées entre les 12,5, les 25, etc. Notamment, il y a un débat en ce moment qui est très constructif entre Patrick Saint-Martin et Paul Couder, que je vous invite à lire sur anglocourse.com. La question, bien sûr, l'enjeu, c'est l'avenir de l'anglo-arabe. L'avenir de l'anglo-arabe passe-t-il par le développement et la mise en valeur, la mise en avant des 12,5? C'est la question qui se pose. Notamment par rapport à l'obstacle. Là, en l'occurrence, nous avons un cheval désigné comme 12,5 puisqu'il a moins de 25% de sang anglo-arabe, en l'occurrence 13,84. Pour ce fils de Merlino Mago, avec une fille de 2 de cœur, étalon assez méconnu, je dois dire, comme le père de la grand-mère d'ailleurs, qui s'appelle In the Mood. Merci donc à ce numéro 5, Amigo du Pouet. On va enchaîner avec le numéro 6 qui va nous rejoindre, Angelo Daiza, présenté par Marguerite Prunefoch, qui élève dans le 32 à Beaumarchais, exactement. Angelo Daiza est un fils de Merlino Mago et Mine de Leiza par Donald Duck. Mine de Leiza, la maman, a notamment produit Ipsamin Lanlor, gagnant, Kaifen Deiza. B foncé. Voici donc un deuxième produit de Merlino Mago consécutif, assez différent dans son modèle, Mine de Leiza, élevé par Marguerite Prunefoch, qui est une habituée des podiums ici.
l'année dernière ou il y a 2 ans, elle avait fait un véritable carton. Donc la grand-mère, elle est par, la mère, pardon, elle est par Donald Duck, étalon très connu en Anglo-Arabie, et la mère, Mine de Laïsa, a déjà produit donc Upsamin Lanlor gagnant. Une gagnante, pardon, donc une femelle gagnante dans la catégorie des 25, puisqu'elle est à 31,78% dans l'Aura, une fille d'Annapolis. Tandis que la mère Mine de Laïsa est la sœur d'une bonne pouliche à 25 également. Naphtaline Daïsa, née en 2001. Un poulain élevé dans le Gers. Merci. Merci Jean-Paul. Nous allons passer à un poulain qui s'appelle À nous deux. Oui, on est deux. Ça ira très bien. Présenté par Damien Pascarel, qui a fait appel à FM Louit pour présenter en main ce poulain B, un fils de Lavroc et Lalande de Pontadour par Zéphyr. Propriétaire a donc en main ce magnifique poulain À nous deux. Lalande de Pontadour, la maman, a produit notamment Belladone de Draou. Donc une jeune jument avec un jeune étalon, Lavroc, qui a fait la monte au haras de l'abbaye, alternativement avec le haras de Saint-Voir. Le haras de l'abbaye, c'est Jean-Charles Escalé à Limoges, et le haras de Saint-Voir, c'est Nicolas de la Genette, à côté de Moulins, dans l'Allier. Lalande Pontadour par Oriland. Là, on retrouve la grande souche de base de l'élevage Maillot, de l'élevage Pontadour. Vous voyez, sous la deuxième mère, tous les Pontadours qui sont indiqués, notamment on retrouve Perlande Pontadour, on y retrouve des noms célèbres et aussi quelques noms qui ne portent pas le suffixe Pontadour, notamment la souche qui s'est développée chez Cyril et Xavier Coapé, c'est-à-dire descendant de Queenland, et qui a donné Beautyland, Unique Land, vainqueur l'année dernière du prix des ministères. Ce n'est pas indiqué dans ce catalogue, parce que là il y a juste un IAA 135, mais c'est bel et bien Unique Land qui a gagné le prix du ministère de l'Agriculture à 25% l'année dernière. Alors, on retrouve beaucoup de très bons chevaux, hein, produits par cette Queenland, puisqu'avant il y avait eu Beautyland.
La Lande Pontadour, donc, est la mère de ce poulain et la sœur cadette d'un an de Queenland. Donc, c'est le premier produit de la Lande Pontadour. Et on peut espérer que, comme ses sœurs, la Lande Pontadour va devenir une bonne poulinière. 11 ans avant la naissance de la Lande Pontadour, Auriland, la jument de base avait donné naissance à Brisland. Et Brisland, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait Djebeland Pontadour, dont on a parlé tout à l'heure. Très bon cheval et étalon depuis. La mère, la Lande Pontadour, est issue du croisement de Zephyr avec une mère par Fairyland 2. Donc Fairyland 2, inutile de le présenter. Zephyr était un fils de Cyborg, étalon pur sang assez surprenant, qui a très bien fonctionné dans l'Anglo-Arabie. Il n'a pas forcément fonctionné partout, mais en Anglo-Arabie, il a fonctionné, notamment avec Zephyr, bien sûr, mais aussi chef de clan. Merci à nous deux. Ah, les juges ne traînent pas, c'est une bonne chose. On enchaîne directement avec Orco, le numéro 8. Allez, nous allons donc accueillir ce nouveau poulain. Le voici, Orco, présenté par Maurice Lille. Un fils de Balco et Laurier Batoise par Rosie Fast. Balco est le père notamment de Bondabal, de Flamèche, de Michto entre autres, de Wafalco. Wafalco, entraînement Windriff bien sûr. Laurier Batoise, la maman, avait notamment gagné un obstacle sur l'hippodrome de Pau, placé également. Placé à Toulouse. Laurier Batoise est une fille de Rosie Fast, elle-même fille de Roseau d'Or et l'Escalade. Bon, là, on retrouve un poulain qui est très marqué par son père, hein, Balco, cheval très imposant, qui a un gros succès populaire d'ailleurs dans l'ouest de la France, Balco. Maintenant, il est installé au Rat National, le Châteaubriant. Il saillit plus de 100 juments par an, hein, ce Balco, qui est vraiment qui a un modèle stupéfiant qui attire beaucoup les éleveurs. Il y a donné à cet Orco ce modèle. Alors, il faut signaler que Balco a débuté sa carrière d'étalon non point tant en Anjou, à Châteaubriand, mais du côté de Limoges, dans le Limousin, au haras de l'abbaye chez Jean-Charles Escalier, qui saillit beaucoup de juments anglo-arabes d'ailleurs. Ces étalons saillit beaucoup de juments anglo-arabes, on va beaucoup en parler au cours de cet après-midi. Et Balco est l'étalon qui a été choisi par M. Maurice Lille, le naisseur de cet Orco, qui habite à Aurier-Bas, pour saillir Laurier-Batoise. Là, on retrouve une bonne jument de course, hein. Gagnant à Pau, en obstacle, ce qui n'est quand même pas une mince affaire. Alors, grâce aux renseignements pris par Jean-Paul Delperrier, qui a comblé mon inculture, je vais pouvoir vous dire que dans ce pédigré, vous retrouvez sous la deuxième mère, donc, Fée la Maligne, qui a donné des gagnants en DR et des gagnants en SO. Alors, gagnant en DR, c'est dressage, et gagnant en SO, c'est saut d'obstacle. Bon, pour ce qui nous intéresse, il est beaucoup plus percutant de regarder les gagnants AA, qui sont des gagnants en course. C'est le cas de Le Jaguar. Le frère de Laurier Batoise elle-même, bien sûr. On sait très bien que les Anglo-Arabes sont très polyvalents, ils savent tout faire. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la vitesse. Merci Orco, le numéro 8, qui va laisser sa place.
qui va laisser sa place au numéro 9. Oh, qui va laisser sa place à une grande, grande origine maternelle, à un poulain qui est élite. Et il s'appelle First du Pecos. Alors, comme l'indiquait Arnaud il y a quelques instants, poulain déjà élite, présenté. Il va arriver, voilà. Voici donc First du Pecos, né de nombreux premiers et family par Donald Duck. Alors là, nous avons un papier très intéressant, cette catégorie des anglo-arabes. Parce que dans la lignée maternelle, nous retrouvons notamment Fabergé du Pecos, Focha du Pecos également. Deuxième du Grand Prix des Pouliches à 37,5 sur l'hippodrome de Tarbes en 2010. Fabergé s'est placé l'année dernière du Grand National sur l'hippodrome de Toulouse. Voilà, alors un poulain qui ressemble absolument pas à son père, nombreux premiers, fils de Kendor, on en parlait tout à l'heure, gris comme lui, mais ressemble beaucoup à sa mère, familier, qui est une puissante jument baie brune, presque noire. Donc elle a été élevée par Patrick Davzac, bien sûr, au Haras du Pecos. Elle appartient à Philippe Vialard de Aurillac, dans le Cantal, célèbre propriétaire d'anglo-arabes, d'autant plus célèbre qu'il n'y en a pas beaucoup, des propriétaires anglo-arabes qui ne sont pas éleveurs eux-mêmes. C'est d'ailleurs bien dommage, c'est un manque, il y a un manque de propriétaires dans l'anglo-arabie, mais le syndicat anglo-course réfléchit aux solutions pour en trouver. Philippe Vialard, donc, qui a beaucoup de succès en tant que propriétaire d'anglo-arabes, notamment avec certains des meilleurs de la race parmi l'élevage du Pecos. En l'occurrence, Farce du Pecos. En l'occurrence, donc, vous avez cité Jean-Paul Fabergé du Pecos, Focha du Pecos dans cette famille. Sous la deuxième mère Ferdelia, on retrouve une quantité industrielle de bons chevaux. Je pense notamment à Frisson du Pecos. Hein, je vous parlais des plus récents. Fils de Haza, Frisson du Pecos. Et puis toute la descendance de Folie du Pecos, qui est élevée par le frère de Patrick Davzac, c'est-à-dire Jean-Marc, frère et voisin. Folie du Pecos, avec tous ces chevaux qui portent des noms un petit peu particuliers, c'est-à-dire Fada, Fêlé, Fofolle, Frappé, Fracassé, Furie, Flingué et Foldingue, tout un programme dont l'un des éléments a gagné l'année dernière l'une des épreuves classiques de la Réunion des ministères, je ne sais plus laquelle exactement. Alors on aime bien le petit grain de folie dans cette famille, parce que vous pouvez remarquer que le jument née en 95, Féline du Pecos, a donné naissance à une bonne jument qui s'appelait Misfits, qui est le nom anglais du film Les Désaxés. Donc on reste dans la même thématique cinématographique. Donc Fairfax du Pecos, bon, vraiment cette très très belle origine, avec nombreux premiers. Alors nombreux premiers qu'on connaît notamment dans le milieu anglo-arabe, parce qu'il est le père du fameux Erreur, puisque cette Erreur était un champion qui portait un drôle de nom, je vais vous en donner l'explication pourquoi dans quelques instants, parce qu'il était né du croisement d'un étalon pur sang, nombre premier bien sûr, avec une jument arabe à 100% Enegam. Or, autant ce croisement entre l'impur, on va dire, en tout cas l'anglo-arabe ou la QPS dans le monde de la QPS est tout à fait logique, puisqu'on croise des juments avec QPS avec des étalons pur sang, autant dans le monde de l'anglo-arabe, on dit que c'est l'inverse. Donc le croisement d'un étalon pur sang avec un jument pur sang arabe avait été jugé par les observateurs, les ayatollahs de l'élitisme anglo-arabe, comme une erreur. Donc évidemment, Coquin, l'éleveur, a dit si c'est comme ça, je vais l'appeler Erreur, et il s'en a fait un champion. Alors si vous n'avez pas tout compris, redemandez-moi. Nombre premier, puis mis à part ça, est un excellent étalon de galop, de pur sang, de plat, puisqu'il a notamment donné naissance à Vertigineux. Gagnant de groupe. Merci au numéro 9, First du Pecos, un poulain élite, qui aura le droit pour ça à de nombreuses primes. On va rester avec les du Pecos pour le numéro 10, Funchal du Pecos, élevé à l'ERL Haras du Pecos. Donc Sophie de Courval et Patrick Davzac à La Devèze Ville, qui est un minuscule village.
Allez, voici donc, malheureusement sous la pluie, l'arrivée de cet alezan. Funchal du Pecos, comme vient de vous indiquer Arnaud, un fils de Rajbag et femme qui est elle-même une fille de Le Chevreuil. Voici donc ce poulain. Femme qui a été également élevée par Patrick Davezac. Et la mère de différents chevaux, donc sous le suffixe Pecos. Une lignée d'anglo-arabe dans les gènes de ce poulain. Donc un fils de Rajbag. Alors Rajbag qui s'illustre actuellement, ton père de Guajaraz là. Guajaraz qui vient de gagner à 2 ans, qui vient de gagner sa deuxième listette dans le sud-ouest consécutive. Poulain qui était passé dans les rangs d'arcade d'Osarus à la teste. Alors un poulain complètement différent du précédent, qui était noir, lui est vraiment alezan avec pas mal de blanc, Balzan 3, cheval de roi. Rajbag et femme. Belle chanson que celle de femme que je n'hésiterai pas à vous chanter sous l'intonation de Jean-Paul Delperrier. N'était-ce pas ce chanteur ringard qui chantait cette chanson? Jean-Luc Lahaye, merci Jean-Paul. Une véritable référence. Oui, ringard, tout à fait, madame. Ah, vous en étiez fan quand vous étiez petite? Il n'est pas dans le public, effectivement. Donc, dans cette famille, on trouve pas mal de chevaux de qualité. On va notamment relever Frivole du Pecos, une fille de Saphir. On retrouve aussi Coco Girl, à la même période des années 80, Stéphane Collaro, que de souvenirs. Donc là, on a cherché à ramener de la vitesse hein, avec Rajbag. Rajbag était un très bon 2 ans, gagnant du prix de Condé sur 1400 mètres. Et lui-même produit beaucoup de chevaux de vitesse. Il est issu de réprimande Rajbag, un sprinter anglais. Donc c'est des origines de vitesse très traditionnelles du circuit des courses de pur sang en Angleterre, qui sont de spécialistes depuis très très longtemps de ce genre de sport. Merci au numéro 10. On va passer au numéro 11. Alors avant, déjà une petite annonce. On va rappeler en premier lieu, il va y avoir deux résultats de concours différents. Hein. Tout d'abord les 12,5 et les 25, et puis après les 37,5. Hein. Ça va se faire en deux fois. On est bien d'accord. Il y a la patronne, là, Xavier, qui vient de dire ça. Quand elle dit quelque chose, faut l'écouter. Ainsi parle son époux Cyril. Alors, Jean-Paul. Icalana, c'est le nom du menu numéro 11 qui est présenté par Rémi Sabatier à Saint-Partham, à l'Aveyronnais. Rémi Sabatier. Alors voici donc ce numéro 11. Icalana est un fils de Zamuncho et Jigwa par Albert Duberlé, le papa Zamuncho et notamment le père de Fabergé du Pecos entre autres.
de Vamuncho, de Farce du Pécos. Du côté de la maman, Jégua, qui est une fille d'Albert du Berlet. Jégua est également née chez Rémi Sabatier. Elle a deux produits enregistrés. Le premier, Ikalana, que vous voyez actuellement. Et le second, Deissa Dizer, née en 2011. Merci Jean-Paul, un cheval qui a un peu de ventre, un peu comme nous, mais qui est très bien né, comme nous également, puisque sa tante Fougère Aigle, ce n'est pas indiqué dans le catalogue, mais sa tante Fougère Aigle a gagné le Grand Prix des Anglo-Arabes à Longchamp. Donc c'est quand même une sacrée référence. Lors de la grande journée des impurs, puisqu'on réunit à Longchamp un jeudi sous la pluie en général les impurs anglo-arabes et les impurs AQPS, eh bien cette Fougère Aigle, elle s'est imposée dans l'édition 1997, avant de devenir poulinière. Et donc c'est sa sœur, Jégua, hein, une fille de Albert du Berlet. Les talons élevés par Jean-Marc Lucas dans le poids de vin, et qui est devenu un étalon qui a beaucoup marqué, hein, l'élevage anglo-arabe d'ailleurs. Et qui a donné la mère de cette Ikalana, une fille de Zamuncho, voilà, qui a des traits particulièrement fins. Voilà, Ikalana, joli cheval avec une bonne tête, au trot, avec un peu d'énergie, allez. Allez, on va revenir au trot avec un peu d'énergie. Hop. C'est un joli cheval, faut qu'il se présente en mouvement. Voilà, c'est parti. Voilà, ce fils de Zamuncho avec une fille de Albert du Berlet qui s'appelle Ikalana. Et donc je vais vous rappeler que les rappels se feront dans cet ordre. Tout d'abord les mâles 12,5. Et ensuite les mâles 37,5. Et puis après, ben, on passera aux femelles. Nous allons donc nous arrêter au 17 pour cette première catégorie. Voilà. Très bien. Donc il va falloir juste un petit peu de temps après pour faire les classements. Merci à Ikalana, on va donc passer au numéro 12, Illusion Sauvage, présenté par le Jacques Passardier, un gros client. C'est un fils de solide illusion, c'est un nom qui remonte chez lui d'ailleurs. Allez, nous allons donc accueillir le poulain qui arrive actuellement. Le
Le numéro 12, comme à la Nicardo, Illusion Sauvage par Solide Illusion et la Guape du Barbe par Falem. La Guape du Barbe, la maman, a des performances très intéressantes et notamment lauréate le 13 novembre en 2000 du Grand National à 50% à Toulouse. Elle avait également gagné le prix de l'élevage sur ce même hippodrome. Elle s'était placée à l'Ateste en juillet 2000. La Guape du Barbe est la maman, entre autres, de Candy Boy. De nombreuses reprises à l'arrivée, et notamment à Mont-de-Marsan, puisque Candy Boy avait gagné le prix des poulains à 37,5. La Guape du Barbe est également la mère de Far East. Solide Illusion et le papa, entre autres, de Blue Illusion. C'est donc Illusion Sauvage, présentée par Yann de Kersabiek. 33 124 à Brouquéran. Illusion Sauvage, 25,21,5%, B foncé. Du côté de la grand-mère Aloha, nous avons entre autres des origines avec les Prochaunes. Et également Cobalt, entre autres. Donc ce concurrent, Illusion Sauvage, présenté maintenant au pas. Ensuite on enchaînera avec le trot. Numéro 12, donc Illusion Sauvage, là actuellement au trot. Illusion Sauvage est également en catégorie élite. Alors une info qui vous intéresse tous, vous amis sportifs, le mondial du Lyon est annulé. Le mondial du Lyon est annulé, on vient d'avoir une information qui vient du Lyon d'Angers. Il est tombé 100 mm d'eau cette nuit, et voilà, avec le plus grand désespoir qu'on imagine, les organisateurs ont été obligés d'annuler cette énorme manifestation qui est le mondial du Lyon. Voilà, donc finalement s'il pleut un peu aujourd'hui, eh bien on a quand même de la chance de pouvoir effectuer cette manifestation. Imaginez, le mondial du Lyon est annulé. Nous allons maintenant appeler le numéro 13.
également catégorie élite. Le 13 se nomme Carlito, présenté par Benoît Lapèze-Charlier, 65 à Sanac. Carlito est un fils de Gnom, étalon que nous avons ce matin eu la chance de vous présenter. Carla de l'Abbaye, la maman, est une fille de Le Pigeon. Carla de l'Abbaye a notamment donné naissance à Anna Carla, qu'on a vue sur cet hippodrome de Tarbes l'année dernière, a terminé troisième du Grand Prix des Pouliches à 25,5%. Merci Jean-Paul, et on va chercher un peu sous la troisième mère de ce produit, parce qu'on va y retrouver deux très bons étalons. Alors on va tout de suite penser à Mangarose, quand même un grand nom de l'anglo-arabie, fils de Manganat. Et puis son frère, le chevreuil, qu'on a vu en tant que père de mère tout à l'heure, c'était le père de femme, qui était une fille de Le Chevreuil et Fortuna Brute. Un poulain élégant, fils de gnome, avec une mère par Le Pigeon et la grand-mère par Le Grillon. Donc un gnome, on vous en parlait tout à l'heure, père de Ragtime Pontadour et père de Beautyland. Donc un vrai étalon, père de l'Occitanie également. Et donc ce poulain est élite, Jean-Paul, parce qu'il est frère d'une pouliche classique. C'est-à-dire première, deuxième ou troisième d'une des épreuves du circuit classique anglo-arabe. Alors on va le faire marcher. Donc je vous rappelle, pendant qu'on est en train de regarder ce numéro 13, que le concours passe actuellement en direct sur France Cire TV. Donc vous pouvez dire à tous vos amis qui ne peuvent pas se rendre aujourd'hui sur l'hippodrome, sur le Haras National de Tarbes, qu'ils peuvent regarder en direct le Mondial du Lion, justement, parce qu'il est annulé, mais le concours des Anglo-Arabes de Tarbes. Et bien entendu, vous pourrez le revoir en intégralité dès demain sur le site anglo-arabe, sur le site anglocourse.com, site internet qui est votre outil. Je vous invite à vous servir. Il y a énormément de choses sur le site anglocourse.com, notamment quelque chose qui vous est extrêmement précieux, c'est-à-dire un générateur de pédigré. C'est-à-dire qu'en fait, avec n'importe quel de votre jument, vous pouvez faire les croisements, les tests de croisement avec tous les étalons que vous souhaitez, tous les étalons qui sont inscrits en France Cire, pur sang, plus tous les étalons anglo-arabes qui existent en France. Alors, on ne va pas vous dire si le poulain va être bon ou pas, bien entendu, ça c'est le grand mystère, mais par contre, vous aurez un tableau de croisement à 5 générations avec les inbreeding et aussi un calcul du pourcentage anglo-arabe de votre produit. Chose très utile, qui n'a pas été simple à mettre en place, je peux vous le dire, mais en tout cas qui marche bien et qui est très utile. Ce générateur de pédigré spécial anglo-arabe disponible en exclusivité et gratuitement, bien entendu, pour vous sur le site anglocourse.com, où vous pourrez en voir donc dès demain le concours, l'intégralité du concours d'aujourd'hui. Peut-être, puis un peu plus tard, on pourra vous proposer les lots par lot, vidéo des chevaux lot par lot. Merci au numéro 13. On rappelle également que demain, nous aurons une équipe de France Cire TV qui va suivre, qui va faire des reportages sur la grande réunion classique de demain, donc sur les quatre principales épreuves, donc les deux prix du ministère et puis les deux grands prix pour chevaux d'âge. Des reportages que vous pourrez retrouver dès dimanche soir sur anglocourse.com et sur France Cire TV, et ce ad vitam aeternam, vous pouvez revoir. Ah oui, ad vitam aeternam, effectivement, on a fait des études.
Voilà. On parle tous latin avec merveille. On a lu Astérix. Voilà, donc ad vitam aeternam pour ces images de la Réunion classique. La Breeders' Cup des Anglo-Arabes. La Réunion du Prix des Ministères. Voici le numéro 14, Père Lion de Verdun, cheval de guerre. Par nombre premier dont on a parlé tout à l'heure, et Dire Lily, qui est par Dire Docteur, dont on ne va pas parler plus longtemps. Et c'est un poulain élite. Jean-Paul, pourquoi ? Vous avez tout dit, mon cher ami, parce que frère ou sœur ont participé et fait l'arrivée des belles épreuves, attention. La mère, qui n'est autre que Dire Lily, qui est la maman notamment de Père Lion de Verdun, que vous voyez actuellement, et surtout d'Indy de Verdun, présenté donc par Joël Ducastin. Dire Lily est une fille de Petite Perle, l'élevage Ducastin de Tarbes. Nombre premier est Dire Lily, bien sûr, donc on le rappelle, pour ce poulain, Père Lion de Verdun, très joli nom. Et pour ceux que ça intéresse, cet après-midi, Bobaco a gagné le prix André Babouin à Marseille. Donc c'est Jean-Claude Seroule qui a gagné sur cette aire. Voilà, nombreux premiers, un étalon qu'on aime beaucoup parce que c'est un étalon efficace. Une véritable usine à chevaux de course que ce nombre premier. Au trot, s'il vous plaît. Un étalon qui a fait quasiment toute sa carrière au Haras d'Aigues-Mortes. Hop là ! Ça y est, actuellement au Haras du Play en Normandie. Il a fait un petit tour en Normandie. On va peut-être revenir bientôt. Nombre premier, donc le père d'erreur. Et voici ce Père Lion de Verdun qui revient au trot. Donc nombre premier, un fils de Kendor, Kenmar. On retrouve ici toute la souche des gris descendants de Grace of Rain. Et qui connaît une autre expression sous la branche des Ayostonor, des Mendez, des Caro, des Linamix, des Slickly également, qui est le père de Bobaco, vainqueur du prix André Boisboin aujourd'hui à Marseille. Le Grand Prix des provinces. On doit appeler maintenant le Grand Prix des régions parce qu'il ne faut plus parler de provinces. Donc il reste trois chevaux dans cette catégorie. Voilà, 15, 16, 17. Merci au numéro 14. Donc après, on va passer donc au rappel. Alors je ne sais pas si on va demander tout de suite les rappels des 12 avant le début du concours des 37, ou alors on va laisser courir le concours des 37 le temps d'établir le classement. Il y a la patronne Xavier qui va nous dire ça. Pendant ce temps, nous allons accueillir le numéro 15, Solide Allusion, présenté par Yann de Kersabiek. Solide Allusion, 14,55%. Il est noir Pangaré, un fils de Solide Illusion et Faster par Fast. La maman Faster est née chez Madame la Baronne Charles de Fraissinet. Voici donc ce poulain, Solide Allusion. Voilà, Solide Allusion, qui
qui ressemble. Donc c'est Solide Illusion. Alors Solide Illusion a fait longuement la monte Ouara de Bernesque, côté de Marchand de Sable, fils de Cozen, qui a bien produit. Hein. Puis bon, quand il est passé un petit peu en mode pour les pur sang, il a été judicieusement recruté par Yann de Kersabiec. C'est un bon étalon, hein, Solide Illusion. Et il a donc donné naissance à ce Solide Illusion, le numéro 15. Alors, il y a une petite particularité sous la deuxième mer, c'est que vous voyez une pouliche qui s'appelle Pluie de Cendres, née en 2004 et qui est gagnante en SF. Et en 2004, les 12 ennemis n'étaient pas encore, à moins que je ne m'abuse, à 12 ennemis. La règle n'était pas encore passée, c'est pour ça qu'elle était SF. Celles français qui sont devenus maintenant des AQPS. Le nom de telles français n'existe plus. Donc pour répondre à la question que je me posais tout à l'heure, le rappel des 12 ennemis va se faire en même temps que le rappel des 37. Donc c'est-à-dire qu'à la fin du concours, là, après le 17, on va enchaîner directement avec le numéro 19, donc le premier des 37 ennemis, le temps que la machine mouline et calcule les classements, parce qu'il y a quand même 17 chevaux, donc ça prend un peu de temps. Donc on va éviter de perdre du temps et profiter de pouvoir faire ce concours pendant que le temps nous le permet. Je rappelle que ce n'est pas le cas partout, parce qu'au Lyon d'Angers, le mondial du Lyon est annulé à cause du déluge. Donc là, pour l'instant, nous sommes relativement épargnés par le climat. Donc nous allons enchaîner le plus vite possible avec le concours des 37 ennemis, le temps de faire mouliner la machine, et ensuite faire les deux rappels successivement des mâles, c'est-à-dire les 12 ennemis et les 37 ennemis ensuite. Merci donc à ce numéro 15, Solide Illusion. On va enchaîner avec le numéro 16, l'avant-dernier numéro de la catégorie des 12 et demi. Il n'est pourtant pas petit, et pourtant il se nomme The Small, présenté par Christine Audouin de Lados dans le 33. Comme le poulain précédent, c'est un produit de Solid Illusion et Golden Ferry par Ferryland 2. Allez, on le rappelle, Golden Ferry qui est né chez la baronne Charles de Fraissinet. Golden Ferry est la mère de Dancing Ferry, de Gnome, de Leprechaun entre autres. Sacré poulinière, Jean-Paul, que cette Golden Ferry. Hein, parce que c'est la mère de Gnome, hein, qui est quand même un des meilleurs étalons anglo-arabes.
Voilà, monsieur Louis qui a écarté le panneau. Ah, Golden Fairy, une fille de Fairyland. Il n'y a peut-être plus beaucoup des filles directes de Fairyland qui sont encore actuellement poulinières. Et Fairyland, alors Golden Fairy qui est issue de Aloha, elle-même issue d'un croisement entre un arabe espagnol et, une pur sang espagnole. Voilà, beaucoup de croisements internationaux dans le monde de l'anglo-arabie. The Small, pas si petit que ça celui-là quand même. Ah, la mère, elle n'a pas fait que Gnome, mais elle a fait le prochain aussi, hein, gagnant du Grand National des Anglos à Toulouse. Le prochain, pardon, oui. Red Woman aussi, toute bonne. Et c'est la même famille, Jean-Paul, que la gouape du Barp. C'est exactement la même souche dont on a vu un produit passer tout à l'heure avec le numéro 12, je crois. Voilà, c'est ça, Illusion Sauvage. Donc là, en fait, Illusion Sauvage le 12 et The Small le 16 sont des cousins germains, puisque issus de Solidillusion, les deux. Autre, s'il vous plaît. Ce poulain est élite. Hein. Alors aujourd'hui, donc, pour la première fois, vous avez un mélange dans le catalogue de poulains élite et non élite. On va demander à Paul Couder, le philosophe, l'Emmanuel Kant de l'anglo-arabe, de venir nous expliquer quelles sont ces nuances et surtout quelles sont les différentes primes qui sont offertes à ces élites et à ces non élites. Le concours non élite, en fait, est fait pour soutenir l'obstacle, parce qu'il y a des primes particulières qui sont offertes aux chevaux qui vont s'illustrer en obstacle dans quelques instants. On attend le 17. Bon, est-ce qu'on a remercié ce cheval? Nous avons remercié ce cheval, donc on attend le numéro 17 qui est le dernier. Alors le 17, il s'appelle Trésor Noir. Très beau poulain. Le 17 qui est également élite, présenté par Maurice Lille. Un fils de gnome et l'étoile filante par Héritable. Magnifique poulain, très grand, baie foncé. Très beau modèle, là, ce fils de gnome. Elle est actuellement donc le dernier numéro dans la catégorie des 12 et demi.
Voici donc la fin de la présentation des modèles en 12,5% par Trésor Noir, le numéro 17, avec la présentation faite par le naisseur Maurice Lille. Et on va enchaîner, comme l'a indiqué Yardo il y a quelques instants, par le numéro 19, le premier numéro en 37,5. Donc on ne change pas de jury, parce que les jurys sont venus de loin, ils sont venus là pour bosser. Alors, on aura payé l'apéro, hein, faut bien qu'ils travaillent. Donc on enchaîne directement avec le concours des 37,5, après avoir été époustouflé par le modèle du numéro 17 qui a conclu brillamment le concours des 12,5. Nous voici donc avec le numéro 19, il n'y a pas de 18. Alors il y a un peu moins de concurrents dans le concours des 30, dans le concours des 37,5. Voilà, ils sont 8 et on conclura avec un des plus beaux pédigrés du catalogue, Azaout de Borde, on vous en parlera en temps voulu. Voici donc le numéro 19, Adair, un fils de Cagès des Landes. Présenté par son éleveur Francis Delors, qui est situé à Bessac, à côté de Pontadour. Adair est un fils de Cagès des Landes que nous avons pu voir. L'Adair des Forêts, la maman, est une fille de Gelfort. L'Adair des Forêts qui est née chez Adrienne Pécou à Arnac-Pontadour. La maman, notamment, c'est la mère de Bijardel, entre autres, de Kinshasa et de ce poulain qui vous est également présenté. Du côté de la grand-mère Reine des Forêts, on retrouve des papiers très intéressants avec l'Ambada des Forêts, entre autres. Est la mère de Persona Grata, de Yaungaro également, on avait vu tant bon bien faire dans la région. Voici donc ce numéro 19, B, Cagès des Landes et l'Adair des Forêts par Gelfort. Voilà donc les trois juges, hein, je vous ai présenté tout à l'heure. Yann Poirier, Georges Richardot, et le troisième nous vient de Suisse, Andrea Zikak, vétérinaire, senior consultante à Britno, en Suisse. Donc un jury interrégional et international ici, aujourd'hui, en Anglo-Arabie à Tarbes. On rappelle que le monde de l'Anglo-Arabie est international. Ce sont les dixièmes rencontres internationales, merci. On va le présenter au trot. Ce numéro 19, Adair, présenté par Francis Delors de Pompadour, président de l'hippodrome de Pompadour, avec un très bon site internet d'ailleurs, l'hippodrome de Pompadour. Je précise, c'est très important. Merci. Merci à Francis Delors qui va laisser sa place pendant que les jurys lui donnent sa note, à son cas, à son poulain. Au numéro 20, Arguez de la Brunie. On va essayer de ne pas traîner parce qu'il fait déjà très très sombre. Voici Jacques Crougillac qui nous vient directement à pied de Troche.
et qui va nous présenter Arguez de la Bruny, un fils de Carguez de la Bruny et seul de la Bruny par Ferryland 2. Poulain qui est élite et pour cause. À noter la très belle cravate de Jacques Crousillac. Arguez de la Bruny, donc poulain élite, Carguez des Landes et seul de la Bruny. Celle de la Bruny, la maman a été élevée par Roger Crousillac. C'est entre autres la mère de Kanger de la Bruny, lauréat du Grand National à 50%, placé du prix de l'élevage, également lauréat de l'Omnium en 2002. Celle de la Bruny est également la maman de Musique de la Bruny, de Suzy de la Bruny, dont les origines bien sûr, le label Crousillac. Voilà, une grande matrone hein, que cette seule de la Bruny, Musique de la Bruny également, Suzy de la Bruny et Junior de la Bruny dans sa production. Et puis, seule de la Bruny est quand même la mère, est quand même la sœur pardon, de la mère de Arès de la Bruny, champion étalon. Famille de, aussi de Coudère de la Bruny et de Perlim. Alors, Perlim, ça vous dit quelque chose, Perlim? Non. Ça vous dit quelque chose, Christophe Pieux? Oui. Photographié par Robert Paulin, Perlim, il se fait que Perlim a gagné le Grand Cross de Pompadour. De Pompadour, je vais y arriver pour la quatrième fois sous la selle d'un jeune jockey, alors totalement inconnu, qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, Christophe Pieux à l'époque, c'est bien ça? Voilà, pour sa quatrième victoire, il s'était passé que le jockey habituel, dont je ne me rappelle plus le nom, mais Jacques va sans doute nous le rappeler, André Parnot s'était accidenté juste avant la course et lorsqu'il s'est agi de faire non partant de Perlim, il a fallu avoir un soulèvement sur l'hippodrome parce qu'il fallait absolument que la championne court. Les Crousillac ont cherché un jockey sur place, il n'y en avait pas, il y en avait un petit, tout maigrichon, qui s'est dit « moi je monte ». Il dit « toi t'es qui toi ?»« Bah je m'appelle Christophe Pieux ». »« Bon bah c'est bien, monte ». Il n'avait jamais monté en cross de sa vie et je peux dire que le cross de Pompadour c'est quand même quelque chose. Et il s'est imposé, c'était sa première grande victoire. Une histoire qui vous a été racontée pour la première fois sur France Cire TV, dans le cadre de l'émission À cheval sur l'histoire. Voilà, tandis que la pluie reprend, rassurez-vous, nous ne sommes pas au Lion d'Angers, il ne tombe pas 100 mm. Je vous rappelle que le Mondial de Lyon a été annulé aujourd'hui. Qui se présente très bien, très aérien, que cet Arguez de la Bruny. Oh, si on veut l'acheter, il va coûter cher. Hein, Jacques? Cheval à 55,18%. L'élevage de la Bruny continue de travailler beaucoup avec des chevaux à 37,5 à 50. Merci, merci Jacques. Et merci à Arguez de la Bruny qui va laisser sa place à un nouveau fils de Carguez de la Bruny. Même en partant, cet Arguez de la Bruny se déplace très bien. Un nouveau fils, pardon, de Carguez des Landes qui s'appelle Avatar d'Estivo, Jean-Paul. Allez, on va enchaîner malgré la pluie avec le numéro 21 présenté par la GFA d'Estivo. Avatar d'Estivo par Carguez des Landes et Oasis du Galopin. Elle-même une fille de Blue Boy. Oasis du Galopin. Des performances en ce qui concerne donc la maman de ce poulain que vous allez voir dans quelques instants. Elle a gagné quelques épreuves. Elle a gagné également sur l'hippodrome de Dax, sur celui de Lannemezan. Voici donc ce fils de Carguez des Landes
présenté par la GFA d'Estivaux. Donc le GFA d'Estivaux dans le 87. Haute-Vienne, merci à Robert Paulin qui a fait de longues études et qui se souvient bien des cours en CP de la géographie française. Première année de CP, voilà. Un poulain élite grâce aux performances de sa mère, Oasis du Galopin, qui est une fille de Blue Boy. Et Blue Boy, c'est le père de mère de Bénévolo de Paban, qui court demain et qui va sans doute une fois de plus gagner demain, puisque c'est le meilleur anglo-arabe depuis 3 ans. Et il fut déjà le meilleur à 2 ans, puisqu'il avait gagné ce concours élite, Bénévolo de Paban. Même sous le poids, il va quand même gagner. Contrairement à ce que dit Jean-Paul Delperrier, un grand turfiste. Donc Bénévolo de Paban qui avait gagné ce concours élite à 2 ans. Il était déjà le meilleur à 2 ans, et puis après il a poursuivi la carrière que l'on sait. Poulain très léger dans ses déplacements, que ce fils de Kerguez des Landes avec une mère par Loubeuil. 53,54% d'anglo-arabe. Merci, merci. Et on va poursuivre dans la série des élites, Jean-Paul, avec le 22, Biarritz des Landes. Très joli nom. Un poulain B, élevé par Agnès Devez-Segerie, dans le 15, à Saint-Paul-des-Landes, exactement. Biarritz des Landes est un fils d'Ilbaritz et Zelda, par Kanger Joly, d'origine d'anglo-arabe. Zelda, la maman, a également été élevée par mademoiselle Agnès Devez. On retrouve du côté de la maman Margot de Tanu également. Margot de Tanu, qui est notamment la mère de Kerguez des Landes. Et oui, le champion Kerguez des Landes, dont on a vu quelques produits il y a quelques instants. Et donc nous avons ici Biarritz des Landes qui est un cousin de Kerguez des Landes. Kerguez des Landes par Dirling, tandis que ce Biarritz des Landes est un fils de Ilbaritz par Graveron. La mère Zelda est une fille de Kanger Joly. Et donc il nous est proposé par Agnès de Vest-Segerie, l'éleveur de Kerguez des Landes. Donc il est élite tout simplement parce que la mère était troisième du Grand Prix des Pouliches à Tarbes, une épreuve qui va se disputer demain. Je rappelle que d'habitude, cette réunion classique des ministères se dispute début octobre. Et puis là, eh bien, elle a été repoussée d'une quinzaine de jours. Ah oui, ça tombait en même temps que le Grand Prix du ministère Corse. Donc il fallait bien que la Corse soit là. Ça tombait aussi en même temps que le week-end de l'Arc. Hein. Donc il y avait deux solutions, soit déplacer les ministères, soit déplacer le week-end de l'Arc. Après une longue discussion, il a été décidé de déplacer les ministères.
joli poulain baie brun foncé. Voilà, il reste 4 lots, 4 poulains dans cette catégorie. Les classements des 12 ennemis viennent d'arriver, donc je ne vous dis pas encore. Bien sûr, le vague, hop, hop, restez là. Donc je ne vous dis pas le classement encore de la première catégorie, mais ça va nous permettre d'enchaîner, puisqu'ils sont arrivés, ça va nous permettre d'enchaîner directement avec le rappel. Donc on va demander tout de suite, si vous m'entendez dans les box, aux concurrents de la première catégorie, donc les 12 ennemis, de préparer leurs chevaux. Et de préparer ceux de la deuxième suivront aussitôt, mais en tout cas ceux de la première catégorie peuvent déjà préparer leurs chevaux, car dans quelques minutes nous aurons affaire au rappel. Merci, merci au numéro 22. Biarritz des Landes qui va laisser sa place, Jean-Paul, au numéro 23, qui est un fils de Cargès des Landes, le cousin du poulain qu'on vient de voir. Et présenté par M. Delors. Cargès-Delors est né chez Marcel Delors à Perpézac-le-Noir, un fils de Cargès des Landes, donc, que nous vous présentons là. Et Jalousie, peu hésitant comme ça pour venir. Il est... Jalousie est également sa maman, une fille de Jenor. Voici Francis Delors qui nous présente ce poulain. Il y a 39,6% de sang arabe. 39,60%. Le numéro 23 devant nous, Cargès-Delors. Voilà un puissant poulain alezan qui a une forte encolure, belle épaule, très belle attache d'encolure d'ailleurs. Cargès-Delors et Jalousie. Ah, on voit que les juges font le tour de l'animal pour mieux le juger. Et on va demander de marcher donc ce Cargès-Delors. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver de tout à fait notable dans ce pédigré ? Fantagaro, qui était un bon cheval, Fantagaro, IAA 133, Fabriano, IAA 138. On va demander de retrotter, trotter, merci. Poulain très aérien que ce Cargès-Delors. Il déplace bien. Ah, puis il sait se présenter. Qui sait qu'on le regarde ?
Alors on va pouvoir le comparer avec le poulain suivant, parce que c'était le suivant, c'était un autre fils de Kergès des Landes. Très présent, Kergès des Landes. Merci. Merci à Francis Delors qui va laisser sa place à Guillaume d'Arambure qui va nous présenter Kargani, un fils donc de Kergès des Landes et Badjani par Tidjani, étalon arabe. Malgré la pluie, Jacques Crozillac a pris en main Kargani. C'est numéro 24, donc fils de Kergès des Landes. La maman Badjani est une fille de Tidjani. Badjani est l'élevage de Jean-Marc de Vatrigan. Badjani est également la maman de Ben Darling, qui avait terminé en 2008 troisième du prix des ministères dans la catégorie des 37,5, bien sûr. Badjani est également la mère de Badjarit et donc de Kargani que vous avez actuellement devant vous. Alors Jean-Marc de Vatrigan, Jean-Paul, c'est un éleveur, grand et fameux éleveur de Mont-de-Marsan. Éleveur de champions arabes, quelques-uns anglo, la preuve. Et éleveur de courtiers, puisque c'est le père de Damien de Vatrigan, qu'on connaît bien en tant qu'entraîneur, mais plus récemment révélé Nicolas de Vatrigan, et oui Jean-Paul. Mondor International qui a comme client le cheikh Johan Altani, le fils de l'émir du Qatar et pour lequel il a acheté à 1 200 000 euros un fils de Caesar Stars et Alpine Rose à Deauville et pour 2 500 000 guinées, c'est-à-dire près de 3 millions d'euros, un poulain de Galileo à Tattersalls, le frère de Authorized. Autre, merci. Merci, merci Jacques, au 24. Alors on va terminer avec deux très très gros pédigrés, Jean-Paul, à commencer par le numéro 25, Fidelio du Pecos. Comme son nom l'indique, né au Hara du Pecos, Patrick Davezac bien sûr, à La Devezeville, un fils de Gnome et Ferdelia, par Père Delian. Alors là nous avons des lignes intéressantes du côté notamment de la maman, qui a été également élevé par Patrick Davezac, alors que Robert Paulin vient de grossir les rangs, bien sûr. Ferdelia est la mère de Family, de Falador et de Fax du Pecos, entre autres, de Frisson du Pecos également, qu'on a vu au mois de novembre, entre autres, gagner le Grand Prix de Vignetta en Corse. Nos amis corses sont présents aujourd'hui, on les salue bien sûr. Il y a également des performances à Big Buglia. Et en octobre 2001,
il avait terminé deuxième du Grand National à 25 sur l'hippodrome de Toulouse. Poulain Élite, 44,92%. Alzan, 44,92%. Ça, effectivement, Jean-Paul, ça, c'est du pédigré. Hein. Ah oui, beau modèle en plus. Fils de gnome, étalon, bon, on ne présente plus un gnome. T'as un drôle de nom, gnome, mais il est magnifique, effectivement, on l'a vu ce matin. Et Ferdelia, la mère, bon, c'est une matrone. Hein. Falador, Family, dont on a vu un produit tout à l'heure. Fax du Pecos, et puis Frisson. Frisson, c'est très très bien. Et on retrouve cette souche où il y a Flingué, Furie, Fofol et compagnie. Fougue, Folle fracassée, Folle dingue. Voici le monsieur qui donne les noms, hein, qui malgré ses apparences normales est complètement frappé. Comme ses chevaux, hein, d'après ce qu'il y a, parce qu'il s'est indiqué dans le papier, hein, c'est marqué. Hein. Grand cinéaste aussi, hein, ce monsieur, parce qu'il a donné des noms comme Les Misfits, et puis Elephant, un chef-d'œuvre de Gus Van Sant. Voilà, un joli, très joli poulain, un peu timide là. Il y a moins de concurrents dans la série des 37,5, mais je pense que le combat pour la première place va être plus difficile. Il y a quelques lots là qui sont vraiment tape à l'œil. Voilà au trot. Merci, merci aux 25. Allez, les juges sont en plein dans leur débat. Alors on va accueillir le dernier concurrent de ce concours de mâles de 37,5 qui s'appelle Woodaza de Borde. Attention, pas des Bordes, hein, c'est de Borde. 200 S, Borde avec un S. Présenté par Mylène Borde avec un S de Saint-Yrieix-la-Perche dans la Haute-Vienne, dans le 87. C'est le propre frère de Woodaza de Borde. Vous avez tout dit, presque, qui court demain, Woodaza de Borde, qui a la particularité d'être invaincu en 5 tentatives et qui va tenter la passe de 6 demain sur l'hippodrome de la Loubert. Azawood de Borde, que vous voyez actuellement, un petit peu sur l'œil. Fils d'Aza et Perlywood du Lac par Satinwood. Alors du côté du papa, il y a de très bons éléments, avec notamment Roseau de Tanu. Frisson du Pecos entre autres, la maman Perlywood du Lac et la mère, nous vous le disions il y a quelques instants, de Woodaza de Borde, de Heywood de Borde entre autres, donc origine très intéressante. Alors Azawood de Borde, petite correction par rapport au catalogue, et également Elite par rapport aux performances notamment de Woodaza de Borde.
Azawood de Bordeaux devant vous, qui va donc terminer la présentation ses poulains à 37,5 et plus. Voilà donc le propre fer de Woodaza de Bord. Donc ce poulain est bel et bien élite. Alors dans quelques instants, nous allons avoir les explications des élites et surtout des primes correspondant aux élites et des nouvelles primes correspondant aux non-élites par le président Christian Bello du syndicat Anglo-Course qui vient d'arriver sous la tribune, près du micro. Alors, il n'y a pas que Woodaza de Bord hein, dans cette famille, hein, parce que c'est vraiment une grande, grande souche. On y retrouve Reine Lotex, très, très bonne jument de Paul Coudor. On y retrouve Perlywood du Lac, donc la mère. Et le père, Aza. Et le père Aza, donc, est un. Actuellement, en tout cas, c'est le plus en forme, actuellement le plus en vue parmi les étalons confirmés en Anglo-Arabie. Père de Frisson du Pécos, il avait déjà fait Don Matteo, père de Roseau de Tenue. Et alors, Aza, une information exclusive anglocourse.com qui fera la monte l'année prochaine au haras de l'Abbaye, chez Jean-Charles Escalé, que j'ai aperçu d'ailleurs ici. Voilà. Qui a déjà comme étalon Ragtime Pontadour le Rocodore des Anglo-Arabes 2012 avec plus de 40 juments saillis. Et donc, il récupère cette recrue de luxe qui est Aza, cheval de 20 ans. Pour la saison 2013. Merci. Merci. Donc, en attendant le classement que les chevaux du. Que les chevaux du. Hop, la caméra est juste là. Que les chevaux de la première section se rangent pour le premier appel, on va demander à Christian Bello. Bonjour, Christian, le président du syndicat Anglo-Course. Eh bien, déjà, avant de rentrer en général, on va commencer par le détail, parce que c'est une question qui se pose. Les primes des élites et des non-élites, parce qu'il y a pour la première fois, il y a un concours non-élite aujourd'hui. Explication. Oui, effectivement, on veut booster l'obstacle. Et en général, le concours non-élite ne réunissait que 5 ou 6 candidats. C'est la raison pour laquelle on a voulu apporter une petite carotte. La carotte, c'est bien simple. Je pense qu'elle sera validée demain à l'Assemblée Générale, c'est offrir au propriétaire qui aura couru dans une course premium obstacle, qui l'a classé deux fois, deux allocations dans une course premium à 3 et 4 ans, ou 3 et 4 ans, voilà. Quel est le montant de la prime? La prime est de 1500 euros, mais peut-être demain, si nous sommes un peu plus généreux, on pourra peut-être la porter à 2000. Ah, si vous êtes de bonne humeur, un peu généreux, on peut passer de 1500 à 2000, gagner 25% d'un coup, 33%, pardon. Oui, ça dépendra de l'humeur de l'Assemblée Générale. Les primes, on va rappeler. Hop, restez bien devant la caméra, vous êtes trop timide. Les primes pour les concours élites, on va les rappeler, même si c'est déjà plus ancien. Oui, les primes élites sont au début de notre organisation, c'est-à-dire les poulains issus de juments de première catégorie. Il suffit qu'ils courent deux fois à trois ans pour avoir une prime qui était de 1500 euros. Bon, elle pourra être revue demain, d'ailleurs, également en Assemblée Générale. Là, pas besoin de performance, il suffit de courir deux fois. Pour les mâles, il faut qu'ils soient entiers au moment de ces deux épreuves-là. Merci Christian. Alors, donc, en attendant que les chevaux arrivent, on va en profiter pendant que les trophées sont en train d'arriver. Donc, l'Assemblée Générale de demain, il y aura ces deux thèmes. Quels sont les autres grands thèmes abordés? On abordera tout, les programmes, etc., l'étalonnage, la communication, on parlera un peu de tout. C'est ouvert, c'est des assemblées en général assez passionnées et ouvertes. L'étalonnage, justement, on en parle beaucoup. Quelles sont les perspectives 2013-2014? Eh bien, les perspectives, moi, je crois beaucoup au privé, honnêtement. Bon, il y aura des coopératives qui seront mises en place. Et France Gallo a également mis en place une possibilité d'aider les étalonniers. Et les Anglo-Arabes pourront bénéficier, ça m'a été confirmé hier encore par France Gallo, pourront bénéficier de ces aides-là. Quelques détails, peut-être, sur les aides, les primes, vous n'avez pas encore? Non, on n'a pas encore de détails. Ce seront plutôt des avances pour acheter des étalons. En tout cas, la volonté est là de la part de France Gallo. Oui, je crois que France Gallo nous suit et à nous aussi de faire plaisir à France Gallo en apportant des partants dans les courses, notamment dans les épreuves premium. Ce qui est tout à fait essentiel. Merci, merci beaucoup Christian. Alors, on va les zapper dans l'ordre du résultat, mais on va laisser nourrir le suspense tandis que passe devant la caméra
Loïc Malivet, Loïc qui vient d'arriver, le vice-président de France Gallo. Bah tiens, justement, on parlait de France Gallo à quelques instants, et les deux présidents se rencontrent pour négocier ce que les Anglo-Arabes vont pouvoir récupérer demain matin auprès de France Gallo. Il a bien fait de venir juste à cet endroit-là. Alors attention, voici ici le classement, mesdames, messieurs, mais je cache. Nous, on l'a, le classement de la première section. Alors, on va vous donner le classement devant vos oreilles grandes ouvertes, mais on ne va pas commencer par le premier, on va faire durer le suspense. On va commencer par le cinquième, on va remonter, et après, on va tous les mettre dans l'ordre. Alors, le cinquième, Jean-Paul, est... Avec une cotation de 7,70, le numéro 16, The Small. Cinquième, The Small. La quatrième place, Jean-Paul, est prise par... Al-Sheba 3, le numéro 3, avec 7,90 de moyenne. Là, on rentre dans le trio vainqueur. La troisième place est prise par... Le 12, Illusion Sauvage, 8 de moyenne. Le dauphin de ce concours des 2 ans élite et non élite de Tarbes 2012 pour les 12,5% est... Présenté par l'homme à la cravate rouge, l'as à gomme de la Bruni. Et enfin, le grand vainqueur de ce concours, sous le soleil qui irradie de ses rayons, 2012, il s'appelle... Là, je pense qu'il n'y a pas de suspense, le 17, Trésor Noir. Bravo à Trésor Noir qu'on va accueillir. On va demander, vous pouvez l'applaudir parce que c'était véritablement une peinture. On va demander à Trésor Noir, le numéro 17, de venir au plus vite. Il n'est pas encore arrivé, donc on va demander à Trésor Noir de venir tout de suite. Tandis qu'en attendant, on va demander à Loïc Malivet. Tiens Loïc, viens nous voir, tiens Loïc. Loïc Malivet, puisqu'il est là, il vient d'arriver, il tombe à point nommé. Alors, Loïc Malivet, attention à la caméra, Christian. Hop là, voilà. On parlait de... Christian Bello nous parlait de l'importance de France Gallo. Quel est le point de vue, quelle est la vision de France Gallo dans les hautes sphères parisiennes de Boulogne du monde de l'anglo-arabie? Bon, déjà, comme l'a dit le président tout à l'heure, il va être mis en place donc des prêts relais pour les achats d'étalons, ce qui permettra aux étalonniers de pouvoir acheter des étalons et de pouvoir bénéficier de 6 mois de prêts relais. Bon, ensuite, pour les Anglo, comme l'a très bien dit le président, et justement c'est le message que je voulais faire passer demain, ils sont complètement maîtres de leur programme, et il est très important d'avoir des partants dans les courses premium, puisque les courses premium, c'est leur carte de visite, et on voit régulièrement les courses premium, donc il faut absolument, et c'est là que se fait le jeu, il est important d'avoir des partants dans les courses premium. Mais alors comment on sollicite? C'est-à-dire que France Gallo doit dire très clairement aux entraîneurs, aux propriétaires qu'il faut impérativement courir les courses premium ou au syndicat de vraiment faire un effort particulier pour assurer les partants là-dedans? Bon, je pense qu'il y a sûrement des adaptations dans le programme. Il est sûrement possible de modifier peut-être des réunions de façon à ce qu'il y ait plus de partants dans les courses premium. Et je ne sais pas comment ça se passe pour les Anglo, mais en ce moment on s'aperçoit qu'il y a une baisse d'effectifs chez les entraîneurs. Au 1er septembre, il y avait 2,5% de baisse d'effectifs dans les purs sens, qui faisait quand même 250 chevaux en moins. Là, on est remonté un petit peu, on est à 150. Donc, il est important aussi de suivre les naissances pour voir si on ne va pas avoir un trou dans les années qui viennent. Ce qu'il ne faut pas oublier, qu'entre 2009 et 2010, en Angleterre, je crois que les Anglais ont baissé de 25% en naissance pour les purs sang, et les Irlandais, non, les Irlandais 25%, les Anglais 20%. Et nous avons baissé dans les purs sang aussi de 10%. Moi, j'ai pas les chiffres des Anglos, mais il faut suivre de très près les chiffres, parce que je pense que les naissances baissent un peu partout. Ah ben on va poser tout de suite la question à votre collègue de l'Anglo-Arabie, c'est-à-dire Christian Bello. Alors, les chiffres de naissance. Oui, effectivement, nous avons une baisse qui est autour de 15%. Mais surtout, je voudrais revenir sur ce qui a été dit par le président Malivet. Je crois qu'il faut qu'il y ait des partants dans les courses premium. Et je sais, puisque je suis là pour établir les programmes, il y aura peut-être des gens qui ne seront pas contents l'année prochaine, mais on fermera peut-être certaines bonnes courses de façon à ce qu'il y ait au moins 10 à 12 partants. Merci. Eh bien, voilà qui est dit. Jean-Paul. Alors, on va demander donc au numéro suivant de bien vouloir se présenter et venir retirer leur lot. Lauréat donc dans la catégorie... Avec le 17, Trésor Noir qui va venir, l'As à gomme de la Bruni, le 12, Illusion Sauvage suivra à la 3ème place, 4ème avec 7,90, Al-Sheba 3, 5ème, The Small numéro 16, on applaudit bien sûr, Trésor Noir, magnifique poulain, présenté par Maurice Lille, qui remporte donc avec une moyenne générale de 9. Magnifique,
poulains devant vous. Derrière, nous avons à la deuxième place la gomme de la Brunie avec Jacques Crousillac. Troisième du classement, Illusion Sauvage, Yann de Carzabiec. La quatrième place pour Alcheba 3, le numéro 3, avec 7,90 de moyenne. La cinquième place est prise par The Small, présenté par Hervé Audouy, qui n'est pas là pour le moment. On appelle les numéros 16, 11, 10, 5 et 6, s'il vous plaît. Pour les récompenses. Voici donc le lauréat, Trésor Noir, à qui l'on va remettre bien sûr les prix. Le président Livet remet donc les bouteilles de vin. Il y a également des licols, il y a des floques, les plaques de porte. Attention, les bouteilles, elles vont, ça va tomber dessous. Voilà. Ça serait dommage. À boire, bien sûr, avec modération. Prêt récompensé également à gomme de la Brunie. À vos souhaits, mademoiselle. Avec 8,10€. 8,10€ de moyenne, la gomme de la Brunie. Jacques Crousillac, magnifique cravate. Deuxième, la troisième place pour le numéro 12, Illusion Sauvage avec 8 de moyenne, présenté par Yann de Carzabiec. Voilà la troisième place, donc le président Christian Bello qui félicite. La quatrième place est prise, je vous le rappelle, par le numéro 3, Alcheba 3, présenté par Jean-Henri Juteau avec 7,90 de moyenne. Un fils de chef de clan et Happy Days. Bravo à vous pour la quatrième place. Alcheba 3. Allez, Alcheba 3 récompensé donc par Christian Bello. On va également récompenser, même si il n'est pas très petit, le numéro 16, The Small. The Small qui a été présenté par Hervé Audouy. Derrière, The Small, récompensé maintenant. The Small avec Christian Bello, bien sûr, qui va féliciter ce monsieur. On va enchaîner avec le numéro 11, Icalana, qui a terminé avec 7,60 de moyenne. Donc, The Small a été récompensé. Icalana, maintenant, va retrouver Christian Bello, qui va donc lui remettre les prix. On attend également les poulains dont on n'a pas encore vu revenir parmi nous, à l'image du numéro 6, Angelo Deza, du 2, Aldo de l'Aredia, du 15, des numéros 13, 7, 14, 9, 8 et 4. Les autres, vous pouvez partir. Alors, Arnaud, oui. Est-ce qu'on a déjà les classements des 37 et demi ? Oui. Alors, on va le donner à Jean-Paul. Et on va devant la télé, voilà, en direct. Aïe, non, il est hardi, avec ça, avec le vrai. Boulibille. Et je sais pas.
Je sais pas, on va commencer donc par le cinquième. Donc ils sont. Voilà, donc on va commencer par le cinquième et puis on va remonter, puis après on en a tout le classement, on va laisser le suspense. Parce que autant, pour être sincère, le vainqueur de la première section, le 17, c'était vu d'avance. Hein, c'était affiché, il y avait égalité au PMU. Par contre, là il y a eu combat. Il y a eu un vrai combat, un duel au sommet, un match à 3 et voire un match à 4. La cinquième place est prise par. Le numéro 21, Avatar d'Estivo, avec une moyenne de 7,85. Le 21. Ensuite, on arrive donc aux 4 premiers qui ont tous une note égale ou supérieure à 8. Très haut niveau que ce concours. Le quatrième est. Et notamment avec une moyenne de 8, le 26, Azawood de Borde. Quatrième donc le 26, Azawood de Borde. Pour le trio vainqueur. Alors là, c'est vraiment très 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 serré. La troisième place est prise par. Le numéro 20, Argès de la Brunie, avec 8,05. À Jacques Crozillac. Et la deuxième place est prise par. Le numéro 25, Fidelio du Pécos, 8,19 de moyenne. Et donc vous qui jouez tous au bridge, vous vous souvenez des atouts et des points. Donc la première place est prise par Jean-Paul. Un fils de Cargès des Landes et Jalousie, le numéro 23, Cardjalor. Sous vos applaudissements. Le numéro 23, on va juste donner peut-être la fin du classement, rappeler, donc dans l'ordre. Donc le premier le 23, deuxième le 25, troisième le 20, quatrième le 26, cinquième le 21, et la suite. Sixième le 22, Biarritz des Landes avec 7 de moyenne, septième le 24, Cargani avec 6,70, et huitième le 19, Adair avec 6,60. Merci, alors en attendant que les choix arrivent, on va demander à un juge, Yann, tiens il est là. Voilà, on va demander à un juge de revenir sur les classements. Tiens, viens, hop là. Alors d'abord, on va revenir sur la première section, peut-être avec cette victoire du numéro 17. Victoire par KO, quand le cheval est arrivé, évidemment, le concours était terminé. Voilà, on lui a mis 9 partout. Un poulain qui se présente très bien, qui n'a pas de défaut, qui marche excellemment et qui trotte comme un dieu. Donc évidemment dans ces cas-là, on est largement au-dessus des autres. Derrière, on avait des chevaux de très bonne qualité avec des très bons points, quelques tout petits défauts qu'il a fallu juger et pour faire un classement derrière, c'est un petit peu voilà, on enlève un petit point sur le pas, on en rajoute un petit sur le trot, c'est très aléatoire. Alors pendant qu'on va demander aux chevaux du deuxième lot qui sont prêts, je crois, de venir récupérer leur lot, participer au rappel. Merci aux chevaux. Allô, qui sont là, qui sont tout près de venir. Laissez les chevaux du deuxième lot, qu'on demande donc de. Ah, le voilà le premier qui arrive. Donc, ce deuxième lot, le lot des 2 ans à 37,5. Même chose, un lot assez homogène. Pas un cheval qui se détache du lot, donc c'est pour ça qu'on a eu une petite bagarre dans les 4 premiers. Mais vraiment un bon lot aussi. J'aimerais vraiment en profiter pour féliciter les éleveurs cette année. J'ai eu le plaisir de juger l'année dernière, on avait des lots moins homogènes. Cette année, on a vraiment eu le plaisir de juger de très bons chevaux, bien présentés, et avec du modèle et peu de défauts comparés à ceux qu'on a eu l'année dernière. Merci Yann. Eh bien, c'est justement ce lot, on va les revoir. Merci de venir, Francis. Voilà, les grands vainqueurs. Et c'est donc en premier qui se présente. Oui, c'est lui, le vainqueur, bravo. Attends, je vais te le pousser. Hop là. Hop. Le grand vainqueur, un fils de Cargès des Landes, qui porte le numéro 23, sous vos applaudissements. Ce magnifique poulain alezan. Et on va demander tout de suite à Fidelio du Pécos, le 25, de venir aussi. Qui a Fidelio du Pécos, le voilà. Bon, je vous rappelle le classement, 23-25. La troisième place est prise par le 20. Le 20, Argès de la Brunie. Jacques, tu peux venir. Ensuite, c'est le 26, Azawood de Borde. Le 26, voilà, très bien. Et la cinquième place par le 21, Avatar d'Estivo. Et puis ensuite, nous avons le 22, Biarritz des Landes. Le 24, Carjani. Et le 19, Adair. 22, 24 et 19.
Allez, les remises de prix actuellement avec le numéro 25 Fidelio du Pecos. On va enchaîner avec Argès de la Bruny et Jacques Cousillac, Monsieur Cravate Rouge, Azaoud de Borde qui pour 0,5 points aurait pu prendre la troisième place avec 8 de moyenne. La cinquième place pour Avatar d'Estivo, 7,85. Biarritz des Landes à la sixième place avec 7 de moyenne. Et on termine avec Cargani et Adair. Nous avions quand même dans cette catégorie des 37,5, 5 poulains nés par Cargès des Landes. Voici donc Francis Delors qui présente le lauréat, Cardjalor, Cardjaz des Landes et Jalousie, 8,40 de moyenne générale. Les différents prix qui sont remis actuellement sous les photos également de l'excellent Robert Paulin. Arnaud Poirier qui va grandir, qui prend les photos. Voilà, magnifique présentation. On va enchaîner maintenant avec les femelles. On remet les prix. Allez-y, je vous en prie, monsieur. Azaoud de Borde, numéro 26 à la quatrième place. Les photos, les prix, les floques. Vous pouvez garder le chapeau, hein. Vous pouvez garder le chapeau. Voilà, les prix qui sont remis, les différents photographes font leur travail. On va demander au prochain pour les pouliches maintenant de commencer à se préparer, s'il vous plaît. Merci à tous, ils viennent donc d'être récompensés. Nous allons maintenant, mesdames, messieurs, passer dans la catégorie des pouliches. 12,5 et nous allons enchaîner ce concours de modèles. Dès que les personnes seront prêtes pour juger,